kami ay lalapit upang kayo ay tulungang maghanda para sa ating paglabag. Mangyari po lamang na iwasang magbaba ng kahit na anong gamit mula sa eroplano at siguruhin nasa airplane mode ang inyong cellphones. Ladies and gentlemen, we have started our initial approach. Please ensure your seatbelts are securely fastened. Seatbacks in upright position. Large electronic devices like laptops and tablets stowed in your seat pockets. Window shades open. And your tray tables and footrests stowed. We will be coming around to assist you as you prepare for our arrival. Please refrain from removing anything from the aircraft and ensure that your cell phones are in airplane mode. Et voilà, là-bas c'était la première classe qui a été séparée des pauvres pendant le voyage. Oh. Voilà. La babe, elle est mignonne la babe. Avec son petit masque de sécurité. Voilà. Et il m'a regardé, il a eu la peur. J'ai lu la peur dans ses yeux à lui. On a attaqué la descente, les amis. On va traverser les nuages. Bon, ça va pas trop secouer pendant ce petit vol là pour l'instant. On va voir qu'est-ce que ça va donner quand on va percer les cumulus. On va rentrer dans les cumulus de surface. T'as vu là, t'as là ces bijoux qui éclairent là-haut là. T'as vu quand elle bouge sa main, regarde. Et ça montre comme ça qui éclaire avec le soleil. Donc on attaque la descente, là, 20 minutes, 20-30 minutes de descente à 20 degrés, entre 20 et 25 degrés de. Non, je sais pas combien. Je sais pas combien, je dis. Petit hublot. D'accord. Je sais pas ce qu'elle a dit, mais je vais pas la contredire. Je suis d'accord avec elle. Attention. Voilà, on approche des nuages. On augmente la décélération. On augmente l'angle. Allez, on débouche les oreilles. Bing. Voilà. J'ai dépressurisé mes oreilles. Attention, on s'approche des nuages. Les petits cumulus. Les petits cumulus. Coucou, on arrive. Voilà. On se rapproche, on se rapproche. On va les traverser.
va passer dans les nuages. Attention les amis. Bah, à l'aller, on est passé aussi à travers les nuages et ça n'a pas bougé beaucoup quand on est arrivé. On a transpercé les cumulus, mais ça n'a pas trop bougé. Oh, ils sont jolis les nuages. Ah, on prend un petit virage. Bing, on se met sur l'angle. Là, c'est Marco qui va apprécier. Marco, le motard du sud-ouest. Marco 47. T'as vu, on a pris de l'angle là d'un coup. On est sur le grand gauche des 24 heures. Du circuit Paul Ricard. Oh, regarde les nuages et le ciel, c'est beau. Voilà, on se rapproche des nuages. Oh, désolé, ça bouge avec le gros plan. Oh, c'est beau. Magnifique. Là-bas, on dirait un grand village. Une grande ville dans les nuages. Avec des bâtiments et tout, là-haut. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent là-bas, là-haut et tout. Ah, ça y est, attention. On arrive, les nuages, on arrive. Ça met du temps, hein, mais bon. On va économiser un peu de bande et on va reprendre dès que ça bouge un peu, parce que là on n'a pas encore commencé la traversée des cumulus. Ah, on sent quand même que ça bouge un peu. Oui, ça commence à bouger un peu. Voilà, là ça tremblote. Ah si, ça bouge quand même. Là, ça tremblote gentiment. Attends, il y a madame qui s'accroche à mon bras. N'aie pas peur, ça va bien se passer. T'inquiète pas. C'est juste à passer à travers les nuages. Et après, ça va. Une fois qu'on est tombé sous le plafond du vent. T'inquiète pas, ça va aller.